cherche une solution. Il est bien, défendu par Gareth Simé. Et ça rentre pour Micham. 6 à 0 pour l'adversaire. Et ouais, Savo, il n'est pas content. Savo Vucevic, l'entraîneur de la Gilbourg. Zach Pikov, peut-être. Allez, Zach, le meilleur marqueur de l'élite. Et voilà, c'est Zach et c'est le bon, c'est Tonnier. C'est 27-13, attention, hein, ça commence à faire beaucoup hein, pour les visiteurs. Il va falloir réduire le score, peut-être avec l'injecteur. Non, c'est envoyé par l'anneau, deuxième chance pour les pressants. Gareth Sim en tête de raquette à 3 points, voilà. Et ça rentre pour Gareth Sim. Simon, peut-être. Ouais, ouais. Tant Gareth Sim pour Chase Simon. Ouais, ça part bien. Avec un voilà, Chet Simon qui va prendre le shoot, non, Dix qui rentre dans la peinture. Et Dix, il est à 3 et ça rentre du match. 81 pour Boulazac, 72 pour la Gilbourg. Gareth Sim peut-être à 3 points. Gareth, ça rentre. Gareth Sim peut-être. Gareth Sim pour Chase Simon. Ah là, c'est fini, c'est terminé à 3 points. La JS clean 91 à 89. C'est un match où on a vu nos deux visages. Donc on a commencé un peu à l'envers et puis après, bon, avec l'orgueil et voilà, le cœur de l'équipe, on arrive à revenir. Mais bon, c'est un peu trop tard pour qu'on puisse faire basculer le match de l'autre côté. On a manqué de rigueur, on a manqué de rigueur défensive, on a manqué de dureté défensive. Voilà, ils prennent trop de rebonds en premier quart-temps et puis on laisse trop facilement les drives. Donc ouais, je pense que la dureté en défense nous a manqué et je pense que voilà, quand on encaisse 91 points à la maison, c'est difficile de gagner. Ah, j'ai vraiment hâte là, surtout dans des matchs comme ça, j'ai envie de rentrer et essayer de faire la différence en défense. Voilà, Il faut savoir être patient, en tout cas, voilà, il y a pire comme blessure, il y a pire dans la vie, donc moi, ça va, je relativise pas mal et je suis content de ce qui se passe et du fait de pouvoir avancer de ma blessure, c'est une bonne chose.